Bonsoir et merci pour la fidélité. Merci pour tout ce que vous faites. C'est difficile. Tous les jours, on fait des vidéos. Ce n'est pas facile au Burkina d'avoir, en tout cas, des mégas à chaque fois pour venir nous suivre. Mais c'est aussi la participation de ceux qui aiment le pays, de chercher à s'informer, de comprendre ce qui se passe et qu'ensemble, on puisse aider notre pays. Voilà, la vidéo était prévue pour 21h et après, bon, on est allé jusqu'à 21h30. Et je voudrais vous dire merci pour la patience. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose que j'ai reçu du front. Et parce que depuis que je fais mes vidéos, je me suis toujours abstenu de parler des FDS. Ce qui se passe au front, parce qu'il y a des informations quand vous recevez, vous étudiez et vous essayez de voir est-ce que si on parle de ça, comment les éléments au front vont se sentir, parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes là juste pour créer le chaos, tout faire décourager ceux qui combattent au front. Non, loin de là, nous ne sommes pas là pour créer le chaos au front, parce que la guerre, elle dure depuis 10 ans. Et les hommes sont fatigués. C'est pourquoi, et si vous remarquez, avec l'interview du président Damiba qui disait que quand la guerre dure, par moments, on accuse, on s'accuse. Il faut travailler à finir avec cette guerre-là. Il faut travailler à libérer les soldats parce que les gens sont fatigués. Voilà. Mais quand on voit de la manière dont les gens se comportent, par moment, on est obligé de dire les choses telles que nous les recevons. Pour que les gens comprennent que souvent, c'est du cinéma qu'on nous sert en ville. Vous voyez, moi, avant de toucher ce point-là, je vais d'abord répondre à une question qui m'a été posée en inbox. Il y a des gens qui... Vous voyez, hier, Ibrahim Traoré, à Banfoura, je crois, non, avant-hier, a dit que il y a des ennemis qui traversent la frontière, qui viennent attaquer le Burkina et qui repartent en leur base arrière. Mais là où il était arrêté et il était en train de s'adresser, on voit qu'on a une frontière avec la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi on se comporte de la sorte? Il n'y a pas eu une semaine, Les deux ministres de la Défense se sont rencontrés. Ils ont discuté. Et l'interview qui est sortie est que on nous a dit qu'on allait avoir un nouveau départ. Il s'est même écrit sur la RTI 1 que le ministre de la Côte d'Ivoire disait que le ministre de la Défense disait que je repars le cœur plein de joie parce qu'on a pu discuter. On a trouvé un terrain d'entente entre pays frères. Et comment se fait-il que Ibrahim Traoré se retrouve au niveau de la frontière et tient des propos comme si ces deux ministres ne s'étaient pas rencontrés? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi, ma vision des choses, j'ai dit à tous les Burkinabés, il nous faut nous donner la main. Parce que Ibrahim Traoré n'aime pas le pays. Sa manière de se comporter, quand vous l'écoutez, vous posez la question de savoir quel est le problème du Burkina avec la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit ça. J'ai même posé une question. S'il y a un problème qui existe et que les Burkinabés ne sont pas informés, ayez le courage
de dire aux Burkinabés ce qui se passe. Parce que pour qu'on vous soutienne, il faut qu'on sache au moins ce qui se passe. Mais si on fait la paix, il n'y a même pas une semaine, vous sortez ces propos. Et ce que vous dites, c'est très grave. C'est très grave parce que dire que les ennemis se refusent de l'autre côté et viennent nous attaquer, ce ne sont pas des messages à lancer entre deux pays voisins. Ce ne sont pas des messages à lancer. Et si c'était vrai, on allait même applaudir. Mais en même temps, c'est honteux ce message-là. Parce que je dirais, si vous dites ces genres de choses, si on veut simplement aller, mais vous êtes sur vous. Il y a des ennemis qui traversent, qui viennent vous attaquer. Si vous êtes assez fort, c'est à vous de défendre votre territoire. C'est à vous de tout faire pour que, si ces ennemis viennent, qu'ils ne repartent pas. Mais si vous sortez ces propos, d'abord, vous montrez que nous sommes faibles. Nous n'avons pas les moyens de nous défendre. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous créez le problème entre deux pays encore. Dire, parce que les populations, il y a des gens, quand ils écoutent, ils n'ont pas l'analyse des choses. Il y a des gens qui vont tout de suite voir comme si on protégeait ceux qui viennent nous attaquer. Et quand vous faites l'analyse, le Burkina n'a même pas de difficultés même à cette frontière. Nos difficultés, ce sont les frontières avec le Mali. C'est avec le Mali qu'on a des difficultés, qu'on n'arrive pas à circuler. C'est avec le Niger qu'on a des difficultés. Les attaques dont nous avons parlé du Goumi, ce n'est pas avec la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et si les ennemis peuvent quitter la frontière avec la Côte d'Ivoire, traverser et aller de l'autre côté, aller s'attaquer à des populations et repartir, il y a problème. Donc moi, je dis aux gens, on ne fait pas du tort à quelqu'un, c'est à nous-mêmes. Il nous faut nous réveiller. Il nous faut amener Ibrahim Traoré à comprendre que le peuple burkinabé a besoin de paix. Nous avons besoin de paix. Et quand on s'arrête, on dit que la guerre va prendre une autre tournure. Avec ces propos, ça veut dire ce que ça veut dire. Et je ne veux pas me limiter. Je ne vais pas aller en profondeur. Je vais devoir m'abstenir un peu sur ce sujet. Mais en même temps, c'est profiter. Vous avez vu, même avant-hier, il y a des guides religieux qui sont sortis. Et dans leurs propos, ils disent que Ouagadougou, Bobo n'était pas accessible. Et que aujourd'hui, on peut circuler librement, on peut aller à Bobo et revenir. Quand Ibrahim Traoré est arrivé aux affaires, son premier discours avec les guides, avec les forces vives de la nation, Ibrahim Traoré a dit au peuple burkinabé de tout faire, que écoutez, que si les djihadistes arrivent à couper Ouagadougou, c'est là que les gens vont comprendre que la situation, elle est catastrophique. C'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Je ne sais pas si ces guides religieux n'ont pas pris le temps d'aller écouter. Parce que quand vous... Moi, ma lutte, j'aime pas parler de ceux qui n'ont rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Mais quand vous êtes des guides religieux, quand vous-même vous avez participé à dialoguer pour que Ibrahim Traoré prenne le pouvoir, même si, tout simplement, vous n'êtes plus à mesure je dirais, de dire la vérité à Ibrahim Traoré, souvent c'est mieux de vous taire. Parce que Ibrahim Traoré même l'a dit. Il a dit au peuple burkinabé, allez écouter les vidéos, de travailler pour que Ouagadougou ne se coupe pas. Parce que si Ouagadougou se coupe, on ne pourra plus circuler. Et s'il y a des guides religieux qui sortent aujourd'hui, qui disent que, eux, ils voulaient aller à Bobo, on les a dit que la voie Bobo-Ouaga n'est pas. N'est pas en sécurité. Et que eux, ils se sont abstenus et après, la voie s'est libérée et qu'on peut circuler. C'est depuis quand? Parce que lui, quand il venait prendre le pouvoir, en tout cas, Ouagadougou n'avait pas de difficulté. Et d'ailleurs, c'est parce que Barbara Mansi avait dit que Ouagadougou n'était pas sécurisé qu'il a été rapatrié. La dame a été rapatriée parce qu'elle a osé dire ça. Donc ça veut dire que c'est depuis quand Ouagadougou a été tout simplement à la solde des djihadistes. Non. Et deuxièmement, mais si tout va bien aujourd'hui, pourquoi sur Roc Kabouré, il y a des mosquées qui ont été attaquées à Nakiabouani. Quand on a attaqué les mosquées, est-ce que sur Roc Kabouré, il y a eu des mosquées où on allait attaquer les gens le matin? Il n'y a pas eu des mosquées où on a attaqué les gens le matin. C'est sous Ibrahim Traoré que les gens ont peur d'aller prier le matin. Parce qu'à Nakiabouani, quand on allait tuer les fidèles musulmans, c'était le matin.
quand les gens allaient à leur prière. Et si aujourd'hui quelqu'un a le courage de sortir, dit tout va bien, malgré ce qu'on ramasse, malgré les morts qu'on ramasse au Burkina aujourd'hui, si quelqu'un peut sortir, dire ses propos, ce n'est pas bien. Je n'aime pas m'adresser aux personnes âgées. Mais qu'ils sachent que c'est une affaire d'éducation. Ne donnez pas l'occasion à tout le monde de sortir prendre la parole sur vous. Même si vous aimez la personne, même si aujourd'hui vous avez honte de ce que vous avez fait et vous ne pouvez pas assumer. Souvent aussi le silence aussi, c'est une manière aussi de s'adresser aux gens. Moi, j'ai vu un prêtre même aussi qui a intervenu à Bamfora en disant que oui, ça va maintenant. C'est sous Ibrahim Traoré qu'on est allé égorger, on allait tuer des religieux à l'église. Avant, il n'y en avait pas eu. Il faut que les gens, je sais que c'est vrai, on vous met la pression, on vous enlève, vous ne savez pas quoi faire. Mais souvent, il faut vous taire. Parce que si vous ne vous taisez pas, vos propos que vous sortez, juste pour pouvoir éviter qu'on ne vous enlève, ça vous condamne. Ça vous condamne. Maintenant, vraiment, c'est triste. C'est triste. Laurent Gbagbo même qui disait que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir devant les Burkinabés. Aujourd'hui, il est assis, on ramasse des Burkinabés par centaines. Je ne sais pas s'il se rappelle encore quand il disait que les portes, que nous étions à la fenêtre, c'était une lucarne. Ce n'était même pas les portes de l'enfer. Aujourd'hui, on ramasse les Burkinabés par centaines. Vous avez vu ce que le point que je venais de faire? En moins d'une semaine, le Burkina a perdu plus de 200 personnes. Le Burkina a perdu plus de 200 personnes. Mais est-ce que les gens parlent? Les gens avaient faim. Les gens voulaient, dès qu'on les a considérés, les portes de l'enfer se sont refermées devant les Burkinabés. Pourtant, ils avaient dit que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir devant les Burkinabés. Il n'y a même pas quelques temps. Dès qu'on les a considérés, dès qu'on les a mis à quelque part, les portes de l'enfer se sont refermées. Il nous faut aimer le pays. Maintenant, pour le vous avez vu du matériel, le matériel militaire qui a été récupéré par les ça circule sur la toile. J'ai pas voulu toucher ce côté-là. Parce que ce n'est pas la joie de parler du matériel qu'on récupère. Mais tout ça aussi, c'est une manière pour dire aux gens. Quand on ment aux gens, tous les jours, on accuse des gens de financer quoi que ce soit. Quand on vient ramasser nos matériels, c'est-à-dire que les gens viennent, rien n'a changé. Moi, c'est ce qui me touche. Quand les gens viennent nous parler, comme si aujourd'hui, les djihadistes ont changé leur manière d'opérer. C'est toujours les mêmes choses. Depuis le début, les djihadistes viennent, ils frappent, ils prennent, ils repartent. Ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes modes opératoires. Ça n'a pas changé. Malgré tout ce qu'on a présenté comme drone, comme avion, tout ce qu'on nous a présenté, les djihadistes continuent d'être venus sans être inquiétés. Ils viennent, ils repartent. Ils viennent, ils repartent. C'est tout. Rien n'a changé. Et aujourd'hui même, ils font pire qu'avant. C'est ça le problème. Je ne sais pas ce que les gens appellent changement, c'est où, c'est à quel niveau. Plutôt on fait du bruit. Plutôt on fait de la propagande qu'avant. Quand c'est chaud, on sort des accords, les gens ne comprennent rien, les gens applaudissent. Oui, il y a tel projet qu'on a récupéré, oui, les gens applaudissent. Ils ne savent pas pourquoi ils applaudissent. On attend Ibrahim Traoré dans la lutte contre le terrorisme, pas les futilités dont on voit de gauche à droite. C'est pas à ce niveau on l'attend. Maintenant, pour le gros morceau, je vais parler des Goumi et de certains détachements. Moi, le témoignage que j'ai reçu, c'est qu'hier, il y a des soldats qui m'ont pris en inbox. Et je ne vais pas faire écouter l'audio parce que je vais essayer d'expliquer ça. Ça fait du bien. Vous savez, depuis quelque temps, si vous remarquez, il y a des populations qui vont vers les détachements. Et les gens vont se plaindre. Ils disent qu'il n'y a pas d'action. Il y a des gens même qui vont, il y a des populations qui vont corps à corps avec les soldats. Et le témoignage, c'est qu'on me dit ceci. Nous avons des difficultés. Les difficultés, c'est qu'on nous met en conflit avec la population. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on nous présente du matériel, des drones, on nous présente
des blindés. Et que, au même moment, il y a des attaques de certaines positions qui ne sont pas loin des autres et qu'il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas de réaction. Et la population, elle est dans son rôle. C'est normal qu'elle ne comprenne pas pourquoi. Il y a des djihadistes qui peuvent même venir à quelques kilomètres et qu'il n'y a pas de réaction. Mais en réalité, il y a des positions qui n'ont pas de matériel adéquat pour faire face à ceux qui sont là. Mais le matériel qu'on donne, le matériel est cantonné à Ouagadougou. Le matériel sert à faire de la propagande. Le matériel sert à tout simplement provoquer, c'est-à-dire que lancer des défis aux djihadistes. Mais nous, on ne nous les donne pas. Par exemple, le cas des Goumé. Et c'est l'occasion aussi de parler au ministre délégué. Quand on aime ces hommes, on les protège. Quand on aime ces hommes, on ne permet pas à ces hommes d'aller à l'abattoir. Vous êtes assis à Ouagadougou. Les Goumé ont crié ici sur tous les toits qu'ils avaient besoin du matériel. Et d'autres, même ont refusé d'aller parce qu'ils n'avaient pas le matériel adéquat pour faire face à ces gens-là. Parce que vous recevez des drones, vous recevez du matériel, vous faites la publicité, vous exhibez le matériel à Ouagadougou, vous lancez des défis aux djihadistes et vous ne leur donnez pas à ceux qui doivent être, ceux qui sont à des positions avancées pour contrer les djihadistes. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Les Goumis qui ont refusé d'agir, on les a mis de côté. Ceux qu'on a ramenés, est-ce qu'on leur a donné le matériel? Non. On ne les a pas donné le matériel nécessaire pour aller combattre. Quand vous regardez les véhicules et le matériel qui a été récupéré, regardez ce qu'on nous a présenté comme don. Aucun n'existe dans ça. Regardez les véhicules là. Ce sont les véhicules qu'on est arrivé et on a retapé et on a donné. C'est ça qu'on a pu donner à ceux qui étaient à des positions avancées. Et là, on met en conflit même entre les soldats. Parce qu'il y a des gens qui donnent des notes, je n'ai pas parlé de ça. Parce que ça met en conflit d'autres corps. Si on dit qu'on donne à d'autres corps et qu'il y a d'autres qu'on ne donne pas, ce n'est pas à nous civils de parler de ça. Mais le témoignage est que on met en conflit l'armée avec la population. Et ce témoignage, ce dernier dit ceci. Nous, quand nous, FDS, on n'a pas le matériel, on décide de réclamer le matériel, vous, la population, c'est vous qu'on utilise pour nous traiter de complices, pour nous traiter de FDS qui ne veulent pas agir. C'est vous qui nous insultez. C'est vous qui allez aider Ibrahim Traoré à nous détester. Et vous, vous venez encore pour nous dire qu'on n'agit pas. On n'agit pas parce qu'on n'a pas de matériel. Normalement, vous devrez être de notre côté. Quand nous disons qu'on n'a pas de matériel, ce n'est pas à vous d'aller parce que vous soutenez Ibrahim Traoré pour nous traiter de valets locaux. Parce qu'il y a des gens qui disent non, 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 ces gens-là veulent déstabiliser le pouvoir. Ils n'ont pas de matériel. Par exemple, regardez, quand on devrait envoyer les eaux et forêts à Sili, ils ont réclamé du matériel. Qui sont ceux qui les ont soutenus? Moi, j'ai parlé d'eux ici. Mais il y a des gens qui sont sortis dire que s'ils ne veulent pas travailler, qu'on les mette de côté et qu'on change. Les gens n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas combattre. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de moyens. Donnez-leur les moyens. Pourquoi vous ne leur donnez pas les moyens et vous voulez qu'ils s'en aillent? C'est pourquoi je parle maintenant du ministre délégué. Vous êtes assis à Ouagadougou. Vous accompagnez la propagande. Vous envoyez les Goumis. On va les massacrer une fois. On va les massacrer deux fois. C'est eux qui sont dans des positions avancées. Ils n'ont pas de matériel. Et quand ils sont dans des difficultés. La manière dont on les enterre, il n'y a même pas de respect. Et c'est l'occasion, j'ai dit aux Goumis et aux autres qui n'ont pas de matériel, n'allez pas vous faire tuer pour rien. Ceux qui sont à Ouagadougou s'en foutent pas mal de vos vies. Regardez comment on traite comment on minimise vos camarades quand ils tombent au front. C'est de cette même manière qu'on va minimiser vos corps. N'allez pas. Si on ne vous donne pas les moyens nécessaires, si Ibrahim Traoré se permet d'acheter le matériel avec l'argent du contribuable qui doit servir à lutter, il vient les déposer à Ouagadougou, il fait de la propagande. Le ministre Al-Kassoum Koulibaly dit qu'eux, ils ont des drones, des centaines de drones qui scrutent le ciel. Et que ces drones sont là et qu'on va attaquer une position de Goumi. Combien de temps l'attaque a eu lieu? Combien de temps?
Il n'y a pas eu d'intervention. Il y avait aussi des positions qui n'étaient pas loin. Pourquoi ces gens ne sont pas venus? Et c'est une manière pour dire que même les soldats, on a l'impression qu'ils se révoltent. On a l'impression qu'ils ne sont pas contents. On a l'impression qu'ils sont en guerre avec le pouvoir. Mais si vous êtes en guerre avec le pouvoir, allez-y demander les comptes à Ibrahim Traoré. Ne vous taisez pas parce que moi, depuis, je ne parle pas de ceux qui ont les armes. Quand vous avez les armes, nous, les civils, on ne peut pas vous défendre. Il y a des gendarmes qui disent on n'a pas de prime. Mais si vous n'avez pas de prime, réagissez. Vous voulez que nous on dise quoi? Parce que quand si on parle à votre place, on doit parler à la place des civils, mais pas des militaires. Vous allez mourir. On ne dirait aujourd'hui, il y a eu combien de goumis qui sont tombés. Ibrahim Traoré est en train de faire la zava à Bobo. Le matériel sert à aller se muscler devant les élèves de CP1. Le matériel sert à aller se cantonner derrière une école pour qu'on aille à l'intérieur étudier des enfants. Toi, tu as été ici, tu n'as même pas pu avoir les concours d'enseignement. C'est toi qui te retrouves dans une école primaire, tu parles aux enfants. Repars de l'autre côté, les gens sont en train de mourir, c'est là. Mais comment on va suivre la propagande? Les gens meurent, ce n'est pas son problème. Ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller faire de la java à Bobo. On rencontre les gens pêle-mêle, on fait le cinéma. On filme ça et tous les médias prennent, on ventile comme si le pays va bien. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce sont des familles qui pleurent. Ce sont des Burkinabés qui pleurent leurs enfants qui tombent. On les ramasse, on vient, on les enlève un à un. On enterre. Et on pense que ceux qui parlent sont contre le pays. En comment on peut être contre le pays? Vous achetez le matériel avec l'argent du contribuable. Vous les utilisez pour aller faire de la parade. Et les gens meurent au front. Mais n'allez plus là. N'allez plus. Si vous n'avez pas le matériel, n'allez plus. Parce que vous êtes, c'est parce que vous tenez que eux, à Ouagadougou, ils peuvent faire la zava. Ceux qui sont dans des positions avancées, par exemple les Goumis et d'autres, ils n'ont pas de matériel, les gens crient. 2 ans après, si on ne peut pas tenir tête, si on peut toujours venir. Aujourd'hui, je vous ai dit, la situation n'a pas changé. Ça ne s'est pas amélioré. On a changé de manière de communiquer. Ce qu'ils appellent communication de guerre. C'est quand il y a des décès, vous ne parlez pas de ça. Depuis hier, vous les avez entendus parler. Mais quand la Russie a été attaquée, combien de personnes sont tombées en Russie? Ils ont adressé une note aux Russes, non? Ça, c'est une attaque terroriste. Ils ont adressé une note, c'était même des civils. Mais sur nous, des militaires tombent par centaines. On va les ramasser. On ne dit même pas à leur famille, combien de fois je reçois des messages ici? Où des familles disent on n'a pas les nouvelles de nos enfants. Pourtant, quand lui, il était venu, c'est ce qu'il avait dénoncé. Et le courage de dire la vérité à Ibrahim Traoré. On ne sera pas contre lui. Depuis qu'il est arrivé, regardez les massacres. Il y a d'autres, même, je ne vais même pas parler de ça. Les karmas bis, c'est tous les jours. Les gens m'envoient. Quand vous continuez de parler, il y a des gens qui disent non, il ne parle pas. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui est mauvais. Mais les autres ne parlent pas de ça. Est-ce que les autres parlent de ça? L'attaque du Goumi, est-ce que les gens ont parlé de ça? Le pouvoir n'a pas parlé de ça. Les médias n'ont pas fait cas. Mais il faut des gens, bien sûr, pour parler de ça. Il faut des patriotes pour parler de ça. Les gens pensent que c'est pas facile de parler de ça. Allez-y voir souvent comment les gens viennent nous traiter. Allez sur TikTok voir comment les gens nous traitent. Mais par amour pour le pays, il faut qu'on tienne. Il nous faut tenir. C'est pour notre pays, pas pour quelqu'un d'autre. Les autres ne viendront pas parler de ce qui se passe chez nous. Sur TikTok, sur Facebook, les gens cherchent des vues. Parce qu'on connaît la mentalité de certains. Donc, le bruit qu'on fait autour du matériel, ça ne sert pas à ceux qui sont au front. Donc, au Goumi, n'allez plus. Si on ne vous donne pas le matériel, n'allez pas. N'allez pas. Il y a des détachements aussi qui ont les mêmes difficultés. Si on ne vous donne pas le matériel, pourquoi vous allez aller mourir? Si vous allez mourir, vous êtes mort cadeau. Cadeau parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas à mesure de s'occuper de vos familles. Ils sont venus mentir ici qu'il y a eu un fonds qui a été mis en place pour soutenir les familles des soldats tombés, tout ça. C'est du bipo. Si même, en votre présence, on ne peut pas vous donner des armes, ce n'est pas après vous qu'on va s'occuper de vos familles. En comment on va s'occuper d'eux? Vous demandez des armes même pour défendre le territoire. On ne vous donne pas. Et quand tu vois les gens sortir, c'est pour parler comme si vous détestez le pays. Mais il nous faut arrêter. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de sauver le pays. Les gens ne sont pas venus pour sauver notre pays.
Les gens sont venus pour créer des compagnies de aériennes pour pouvoir blanchir l'argent, sortir avec nos capitaux. C'est ce qui se passe. Les gens sont allés et j'ai dit, pour terminer, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, ce qui se passe, nous allons nous réveiller trop tard. Ibrahim Traoré n'a pas dit au peuple burkinabé les liens qui existent entre le Burkina et la Russie. Ibrahim Traoré est en train de vendre le Burkina pour son fauteuil. Il y a des choses que Ibrahim Traoré va faire. Et plus tard, vous allez comprendre. Pour les autres, vous avez pu lire sur un papier au moins les liens qui existaient entre le Burkina et les autres partenaires. Mais avec la Russie, vous ne savez pas ce qui existe entre le Burkina et la Russie. Parce qu'on ne vous parle pas de ça. On ne vous parle pas de ça. Et c'est très grave. Il faut que les gens se réveillent. Il faut qu'on demande les comptes à Ibrahim Traoré. Qu'il fasse le bilan. Qu'il nous dise actuellement où on en est avec la situation du pays. Où on en est. Parce que c'est chaotique. C'est chaotique. C'est chaotique. On ne va pas se contenter tout simplement. Voilà. On ne va pas faire plaisir à quelqu'un en disant que tout va bien. On ne va pas faire plaisir à quelqu'un. La situation, elle est grave. Parce que ce que je reçois, ce que j'avais voulu montrer. Parce qu'à la dernière minute, vous parlez aussi à des hommes qui sont au front. Et vous expliquez souvent ce que vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui vous disent, bon, ce côté, bon, ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de ça parce qu'il y a certains hommes qui ne vont pas comprendre. Ce que vous dites, ça sera vrai. Mais il y a des gens qui vont voir comme si vous opposez les corps. Donc, on est obligé de minimiser, d'essayer de modifier. Parce qu'il y a des choses, j'ai dit tout de suite, j'ai coupé. Parce que le fond, quand vous y allez, ce n'est pas facile. Que Dieu protège le Burkina. Et je dis à tous ces les politiciens qui sont assis, ceux qui pensent que se taire, c'est la solution. Non, ce n'est pas la solution. Quand votre pays est attaqué, quand votre pays est dans des difficultés, c'est maintenant qu'il faut montrer que vous aimez le pays. À la justice, à la cour constitutionnelle, vous avez fait votre temps. Il y a des messieurs Bagoro, comment j'appelle, Maître Kéry. Vous avez fait votre vie. Vous êtes dans les affaires depuis des années. Tout ce que vous allez poser comme acte contre ce pays-là, ne regardez pas le bruit. Ne regardez pas la foule. La foule, elle suit tout le monde. On peut mobiliser la foule de plusieurs manières. Si vous regardez la foule et vous permettez à Ibrahim Traoré de marcher sur le peuple, continuez à laisser tuer les Burkinabés. L'histoire retiendra vos noms. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'une personne. Moi, je suis assis. Moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais ce pays-là retiendra beaucoup de vous. Vous avez vu au Sénégal comment les gens se sont battus. Les gens se sont battus pour leur pays, parce qu'ils aiment leur pays. Et si vous, vous vous asseyez juste parce qu'on vous a menacé, ou peut-être vous avez des faveurs, parce que le fait de, on vous propose à des postes, vous courez, vous allez, ça veut dire qu'il y a eu des ententes. Et ces ententes-là, ça va vous rattraper tôt ou tard. Même si vous serez appuyé par des cannes, les gens vont vous amener devant la justice. Vous allez répondre. Et l'homme, ce sont ses derniers moments. Ce n'est pas quand vous avez la force. Quand vous avez la force, les gens vous regardent. Mais au moment où vous affaiblissez, c'est là que les gens vous prennent. Des gens ont fait pire que Ibrahim Traoré. Quand je regarde Ibrahim Traoré faire, je vois quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose. Tu peux marcher sur tout le monde. Nous, tu peux nous éliminer. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es aux affaires. Mais il y aura des moments où ta force, tu seras... C'est-à-dire que il y aura des moments où tu vas te positionner. Hein? Tu seras dans une position où tu ne peux pas réagir. Tu as vu Dadis Camara? Dadis Camara, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Aujourd'hui, Dadis Camara ne peut plus faire ce qu'il faisait. Il est assis. Et ce sont ses enfants qui le jugent. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tous ceux qui t'acclament, ces gens-là, ils ne seront pas devant les juridictions. Non. Rien ne va rester éternel. Tout ce que tu es en train de faire, tu vas répondre. Tôt ou tard, tu vas répondre. Les gens qui t'applaudissent ne seront pas là. Puisque eux, ils ne pourront pas te défendre. Et aux hommes, il y a des gens qu'on utilise pour les massacres. Il y a des gens qu'on utilise pour les tortures. Les jeunes soldats de 2022. Ça va vous rattraper. Ibrahim Traoré a écrit noir sur blanc
qu'il n'est pas responsable de vous, vos actes. Il n'est pas responsable de vos actes. Ça veut dire que c'est quand vous utilisez affaire, vos bourreaux là, les gens notent ce que vous massez, ce que vous maltraitez dans les chambres salon à Ouagadougou, à Ouagadougou. Les gens notent. Les gens notent. Ils le donnent à d'autres personnes. Même si ceux qui parlent, vous les tuez tous. Il y a des gens qui ont déjà les notes. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. C'est pourquoi quand nous parlons, on ne parle pas pour nous-mêmes. On parle tout simplement pour l'histoire. Parce que chacun va payer. Et j'ai dit, tous ceux aujourd'hui qui sont sur la toile, en train de dire que Ibrahim Traoré est sur la bonne voie, en train de dire que Ibrahim Traoré travaille bien plus que les autres, chacun va récolter ce qu'il a semé. Ne pensez pas que sortir sur Internet, manipuler, mentir, dire des choses qui ne sont pas vraies, aujourd'hui les gens vont vous acclamer. Mais l'histoire y tiendra. Chacun construit sa vie. Il n'y a pas question de dire que je peux manipuler. Quand vous manipulez, ça marche. Ça passe bien. Les gens applaudissent. Les gens sont contents. Mais quand il s'agit de payer le prix, vous êtes seul à le payer. Il ne s'agit pas de sortir et dire, venez dire ça à Ibrahim Traoré. On va copier des vidéos pour venir mentir aux gens. Ça va donner. Mais c'est éphémère. C'est pourquoi je dis aux gens, assumez vos propos. N'ayez pas peur de dire la vérité. Quel qu'en soit ce qu'on va vous faire. Mais ne manipulez pas pour avoir des gens. Il y a des gens qui viennent ici, qui nous insultent. Moi, je les bloque. Je ne cherche pas des vues. Je ne cherche pas des gens pour venir me suivre. Mais c'est une personne qui vient, qui écoute. Ça me va. Je ne vends pas les vues. Que Dieu protège le Burkina. Merci.